Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour notre petit rendez-vous quotidien, l'ouverture de calendrier. Voilà, alors aujourd'hui, c'est le numéro 8. Donc, c'est une petite enveloppe. Alors, qu'allons-nous découvrir? C'est plat. Peut-être un die. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais plus quoi m'attendre, à dire vrai. Alors. Oh, bah si, encore un feuillage. Voilà, encore un petit feuillage. Bah du coup, je vais le découper avec vous. Ouais. C'est joli, j'aime bien les feuillages. Mais bon. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà, alors bah, j'ai des chutes de verre puisque on a fait des sapins, donc ouais, on va prendre ça. Voilà. Bon, celui-là, non. On va voir s'il y a d'autres. Parce qu'il y en avait un qui était. Bon non, c'est pareil. Donc c'est pas grave. Parce qu'on a découpé. Alors, voilà, comme ça. Comme ça, si c'est... Oh, ben on va faire là, ce morceau-là. Voilà. Alors, allez, on y va. Un aller-retour. Et donc, c'est le calendrier, évidemment, de 4 en scrap. Parce que... Alors, ça coupe très bien. C'est déjà ça. Hop. J'enlève ça et on découvre ce que c'est. On dirait un peu comme du tuya. Ouais, enfin, ça fait des petites les petites branches comme ça. Alors, un petit pli. Ah ben non, je vais utiliser, voir si ça marche bien avec celui-là. Parce que c'est pour ça que je l'ai commandé. Malgré que ça y est, maintenant je sais pourquoi quand hier dans la vidéo d'hier, ouais, j'avais fait le comment dire ça l'ouverture de. Enfin, je vous ai montré ma commande de chez Shein où j'avais commandé des moules et tout ça. Et donc il y avait les trois pics. Et je vous avais dit que bah, qu'en fait, j'avais pas cherché vraiment à quoi ça servait. Donc. Le petit, là, qu'on dirait comme une micro-cuillère, et celui-là. Alors, du coup, ça y est, celui-là, je sais ce qu'on fait avec. Je l'ai utilisé hier, d'ailleurs, hier soir. J'ai testé ma résine. Donc, j'ai testé un des moules, celui de le petit nounours. Voilà, et j'ai colorié. Voilà, j'ai donc, comme c'était le nounours, je voulais le faire dans les couleurs un peu... marron, brun, enfin dans ces tons-là en fait. Donc j'ai mis de la poudre mica et donc pour récupérer la poudre mica, super, génial, voilà. Et donc en fin de compte, ça c'est pour ce genre de choses comme ça. Celui-là, on peut s'en servir pareil hein, pour récupérer de la poudre. Vous savez quand on a les pigments, qu'il faut juste un tout petit peu de poudre, hein, de rien du tout. Bah, voilà. Hop, oh, bah. Du coup, je range tout, mais non, je mets mon petit pic, moi. Donc, voilà, voilà, voilà. Hier soir, je me suis couchée un petit peu moins bête. Après, c'est juste parce que je n'ai pas vraiment... C'est le fait qu'il y ait le pic comme ça qui m'intéressait, parce que j'avais vu Sylvie de la chaîne Vie Création. Elle en a des outils comme ça. Et chaque fois que je la voyais, je dis « Oh, j'aime bien ce... » Ça fait comme une grosse épingle avec une belle tête. Et moi, j'aime bien tous ces petits accessoires comme ça. Et en fait, bon, je n'ai pas cherché, mais là, je suis tombée dessus. Il est venu à moi tout seul. Donc, bah, j'ai pris. Puis pour le prix, c'est vrai que c'était vraiment pas excessif. Et donc, voilà la branche. Voilà, hop. Voilà, voilà, ça fait comme une branche de pain, en fait, hein. Ouais, ça fait comme une branche de pain.
Ouais, je disais tuya, mais non, malgré que ça fait un peu le même genre, hein, mais branche de pain, voilà. Bah écoutez, ça va, enfin, aujourd'hui, le cadeau, ça va, en fait, hein, j'aime bien, bon, c'est vrai que c'est pas grand, il n'y a pas, voilà, mais par contre, je l'avais pas, j'avais pas de branche de pain, et justement, l'autre jour, en voyant une création où il y avait des branches de pain, je me disais, oh, c'est dommage, je dis, j'en ai pas. Voilà, j'ai pas, c'est-à-dire, j'ai des ensembles avec, comment dire, j'ai un cadre avec des pommes de pin qui pendouillent. Et donc, je pense qu'il y a des, comment dire ça, des branches autour, quoi, mais on ne peut pas les prendre. Mais une branche comme ça, tout seul de pin, j'en avais pas. Donc, ben voilà, je suis contente malgré tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma petite ouverture de courrier vous a plu. Donc, je précise, voilà, c'est de 14 scraps. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je leur fais de la pub. Non, parce qu'en fait, c'est, voilà, le calendrier, c'est un calendrier à 29,99. Hein. Donc, je ne m'attendais pas à des miracles. Bon, après, il y a des choses, je trouve que, voilà, je suis quand même déçue. Après, je n'ai pas été jusqu'au bout. Si ça se fait, fur et à mesure que je vais continuer à ouvrir, il y aura des choses qui vont être, enfin, qui vont me plaire plus. Ce n'est pas que ce n'est pas bien, comme je vous ai dit, les papiers, ils sont beaux, c'est des beaux papiers. Après, c'est vrai que, voilà, 5 petits papiers 15-15, comme ça, voilà. Je trouve que si je fais le calcul en 8 jours, c'est vrai que le... Ça fait quand même, voilà, ça fait pas, voilà. Mais là, franchement, non, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Donc, et je pense que je vais même pas ranger parce que à chaque fois je remets là-dedans. Mais je crois que je vais la garder. Je vais sûrement faire quelque chose avec, parce que l'autre branche, j'avais fait aussi quelque chose avec. Donc là, je pense que je vais faire pareil, une petite créa avec, bah, là, dans pas longtemps. Voilà. Bon, allez, hop, hop, trêve de plaisanterie. J'ai encore pas mal de choses à faire. Cet après-midi, je vais à Alençon. Alors, qui sait, peut-être un petit tour, peut-être un petit tour chez Action, puisqu'on va justement sur. C'est ma copine, en fait. Moi, je ne voulais pas particulièrement sortir, mais elle doit aller faire une course sur Carrefour. Voilà. Et donc, bah, je l'accompagne. Donc, je vais avec elle à Carrefour. Et peut-être qu'on ira faire un petit tour à chez Action qui est à côté. Et Noz. Mais bon, sans grande conviction. J'avais pas forcément envie de dépenser. Parce qu'une fois qu'on y est, voilà, hein, si on trouve une petite nouveauté, un truc comme ça, même si on se dit non, 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 on sait pertinemment que chez Action, quand il y a une petite nouveauté en scrap, et ben, si c'est quelque chose de vraiment cool, et ben, si on ne prend pas tout de suite, et ben, on ne trouve plus. Hein, donc, voilà. Donc, des fois, la meilleure façon de ne pas être tentée, c'est de ne pas y aller. Voilà. Donc, du coup, bah, je ne pensais pas du tout y aller, là. Mais bon, ah, si c'est le... C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai choisi. Voilà. Si ça doit se faire, ça se fera. Voilà. Bon, allez, j'arrête. Allez, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire. Et je vous dis à demain. Bisous, bisous.